Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonjour et bienvenue. Je suis désolée, juste avant de lancer le live, j'étais en train de m'étouffer. Je suis désolée. J'en pleure. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien et que vous êtes tous et toutes en forme. Coucou Mumu, coucou Delphine, coucou Karine, bonjour Marianne, ça va ma Sandrine, bonjour Marie-Claire. Je vais reprendre mes esprits rapidement. Je suis sincèrement désolée. Coucou Véronique, tu vas bien ma belle depuis tout à l'heure. Bonjour Béatrice, coucou Muriel. C'était pas prévu. Non, non, je sais pas ce qui m'est arrivé, mais du coup. Voilà, ah, ça y est, ça va revenir. Je suis désolée. Bon, j'espère en tout cas que vous êtes toutes en forme, que tout va bien. Nous sommes mercredi, il est 14h et on se retrouve comme chaque semaine pour notre nouveau live. Suis désolée, j'ai encore du mal à parler. Suis vraiment confuse. Allez, ça va aller. Bonjour Nathalie, bonjour Viviane. Alors, on se retrouve donc pour réaliser une petite carte assez sympa. En tout cas, elle avait l'air de vous plaire quand je vous l'ai présentée. Coucou Makati, bonjour Marie-France. Oui, je veux bien une pastille, Mumu. Avec plaisir. Coucou Muriel. Donc, je vais essayer de reprendre le fil. Je suis désolée pour ce démarrage un petit peu chaotique. Ça y est, ça va mieux. Oui, Delphine, va profiter du soleil avec plaisir. Profites-en, t'as bien raison. Coucou Marie. Coucou ma Fabienne. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui pour la première fois. N'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires. Je serais ravie de vous accueillir. Et puis, et bien simplement, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager et je vous en remercie d'avance. Bonjour Louison, comment ça va? Alors, une petite tape dans le dos, tout en douceur bien sûr, évidemment. J'ai des enfants pourtant là, hein, mais il n'y en a pas un seul qui s'est posé la question, genre qu'est-ce qui se passe? Non, non. À ces ados, je vous jure. Coucou Marie-Christine, comment vas-tu? Alors, le temps que tout le monde se connecte, que vous arriviez tranquillement. Bon, je me doute qu'aujourd'hui, il fait à peu près beau partout. Donc, tout le monde va profiter un petit peu du soleil et vous avez bien raison. De toute façon, pas de problème, le replay sera disponible. Donc, pas d'inquiétude. Bonjour Rachel, coucou Véronique. Quelques infos quand même aujourd'hui, hein, et pas des moindres. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler. Donc nous sommes toujours en ce moment avec le catalogue annuel 2021-2022 et le mini... Oh merci ma Fabienne, tu es notre soleil, t'es trop mignonne, tu me coupes tout. Et le mini catalogue janvier-juin 2022. Donc, le catalogue annuel va tirer sa révérence. Bon, on a encore quelques temps quand même pour en profiter, mais ça va venir vite. Début mai, il va disparaître. Coucou Nathalie, bonjour Myriam. Et donc, il faut vraiment, vraiment en profiter. Dès ce soir, 20h, Stampin' Up! Lance les liquidations de ce fameux catalogue annuel. Ce qui signifie que de nombreux produits vont bénéficier de réductions allant jusqu'à moins 50%. Donc ça, c'est juste énorme. Coucou Nadine. Coucou Carole. Donc ces liquidations, elles vont cartonner, c'est évident. Des réductions jusqu'à moins 50%, c'est pas rien. Donc je ne peux que vous conseiller vivement de ne pas tarder. Si vous avez des produits chouchous qui vous tapent dans l'œil depuis l'année dernière, vraiment, ne tardez pas. Connectez-vous dès 20h sur la boutique en ligne. Vous pourrez dès 20h en profiter. Je publierai une liste, puisque j'en aurai une,
des réductions avec des produits, mais je n'aurai cette liste qu'à partir de 20h moi aussi, donc il faudra être un petit peu patiente sur le sujet. Pour l'instant, je ne sais pas du tout quels vont être les produits qui vont être à prix réduit. Voilà, je les découvrirai en même temps que vous, mais surtout n'attendez pas. Et bien sûr, dès 20h sur la boutique en ligne, ces liquidations vont durer donc du 23 mars au 2 mai. Donc ça va s'étendre, mais effectivement, par expérience, vous comprendrez que les produits partent très très vite, surtout certains, bien sûr. Donc ne tardez pas, je ne peux pas vous dire mieux. Coucou Martine, Annick, Ticia, Sama Bichette, bonjour Martine, coucou Isa, coucou Fabienne. Chouette, chouette, chouette. Oui, ma mumu, reviens, reconnecte-toi, il n'y a pas de souci. Génial. Donc voilà, coucou Marie-France, comment ça va? C'était vraiment la grande annonce du jour. N'oubliez pas, si vos commandes sont inférieures à 200 euros, d'utiliser le code hôtesse. Vous le voyez apparaître, je me trompe encore, ici, hein, n'hésitez pas surtout à l'utiliser. Du coup, vous recevrez encore un cadeau de ma part le mois prochain. C'est le moment d'en profiter, oui, vraiment, vraiment. Et puis, il y a toujours en ce moment hein, la promo des moins 20% sur la mini-machine. Et bien sûr, sur des lots tampons poinçons. Cette promo-là est toujours en vigueur. Donc là, j'ai envie de vous dire, c'est le moment de foncer. Si vous avez eu des hésitations jusque-là à vous dire, je vais attendre un petit peu pour me faire plaisir et tout, là, je pense que tous les éléments sont réunis pour que, ça y est, vous puissiez vous permettre de vous faire plaisir. Oui, Nathalie, surtout n'hésite pas. Donc, dès 20h sur la boutique en ligne, même sur le papier, il y aura des promos. Alors, Karine, vraiment, je n'ai aucune idée des promos qu'il va y avoir ce soir. Je n'ai pas la liste. Comme je disais tout à l'heure, j'aurai la liste, je le saurai en même temps que vous à 20h. Merci, Cathy, t'es mignonne, ma biche. C'est gentil. Pourtant, bref. Donc voilà, donc ça sera la surprise pour tout le monde dès ce soir 20h, que ce soit pour vous les clientes ou pour nous les démos. Voilà, cette fois on va être logés à la même enseigne, bien que il faut quand même que je vous avoue que en même temps, en parallèle, je vais pouvoir avoir le PDF, la version numérique du nouveau catalogue annuel. Je vais pouvoir le découvrir dès ce soir. Donc j'ai hâte, j'ai vraiment vraiment hâte d'y arriver. T'inquiète pas Nathalie, tout va bien, on s'en moque, les fautes d'orthographe, tout va bien. Merci les filles, ça vous fait rire à chaque fois, Muvernien. Oui, aujourd'hui c'est orange. Merci Muriel. Allez, maintenant que vous savez tout, je suis en train de me dire, en vous parlant, que les personnes qui deviennent démo là en ce moment, en fait c'est l'idéal, hein. Pour choisir votre kit de démarrage, vous pouvez bénéficier de tout ça, en fait, de toutes ces promos, voir le catalogue en avance, bénéficier des promos. J'ai envie de vous dire, rejoignez les Stamp Lovers, là, en ce moment, du coup, donc c'est le nom de mon équipe, pour celles qui l'ignorent, et du coup, ça peut être sacrément intéressant. Posez-vous la question, je vous attends, si vous avez des questions, je suis là pour vous. Coucou Daniel, comment ça va? Allez, hop, on y va, on bascule sur cette fameuse Twist Pocket Card. Il ne faudra pas te déranger à 20h. Bah, disons que ça va être compliqué hein, entre la connexion, tout ça, mais je serai là quand même. Hein, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Alors, je vais essayer de monter la luminosité parce que du coup, j'ai l'impression qu'on voit pas beaucoup. Hop. Je vais déplacer ma lampe. Voilà. Bien. Ça me chatouille toujours un peu. Vive les Stamp Lovers, nous sommes les meilleurs. Oh oui, ma Laurence. Je suis d'accord avec toi. Voilà donc la Twist Pocket Card. Je veux toujours inverser les noms, les mots, c'est pas normal. Voilà comment elle se présente. Donc une carte vraiment très très originale. N'hésitez pas à me faire signe si parfois je suis hors champ.
Normalement, je devrais y arriver, mais au cas où, on ne sait jamais. Non, ma Cathy, que du positif, ma biche. Alors, hop, je vais enlever le ruban pour vous montrer comment elle s'ouvre. Donc voilà, comme ceci. Hop, et puis dedans, on peut cacher des petits messages. Regardez ça. Mais aussi, on peut mettre une carte cadeau, par exemple. Hop, on peut en mettre trois. Voilà. C'est ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Voilà, vous avez tout qui s'affiche. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Coucou Sandrine. Tu l'aimes déjà, Nathalie, cette petite carte? Bah écoute, j'en suis ravie. Exactement, plein de petits messages cachés, une petite carte cadeau. Voilà, elle a vraiment, c'est ce que je disais, multifacette. Donc ici, je pense que vous reconnaîtrez hein, la collection Bien chez soi, qui est vraiment très douce et très belle. Voilà le papier design de cette collection, en papier en 30-30, évidemment. Voilà, recto, verso, à chaque fois, les papiers coordonnés, nous avons papaye pâle, vert jardin, mystérieuse brume, fraisier en fleurs, cidre à la cannelle et gris souris. Vraiment une collection très très jolie. Oui, Laurence, je sais que tu ne peux pas scraper, tu as bien raison. Repose-toi pour assurer ton live de vendredi, ma belle. Voilà un des deux sets de tampons qui fait partie de cette collection et que j'ai utilisé aujourd'hui pour cette carte. Vous retrouvez hein, les petites abeilles, tout ça. Tu vas utiliser cueillette de pêche pour être assortie à ton vernis. Non, pas du tout. Pas du tout aujourd'hui. On va aller plutôt dans les tons de vert, vous allez voir. Donc voilà, et du coup, nous avons les poinçons assortis. Ah super, t'as reçu ton colis ma biche, génial. Donc on se retrouve samedi pour la crop. C'est super. Alors, ne vous inquiétez pas si vous avez décidé de scraper en live et que vous avez des petits retards, des bugs, pas d'inquiétude. Si vous préférez, vous pouvez parfaitement regarder le live et faire votre création ensuite, d'accord? Puisque vous retrouverez sur mon blog, la fiche technique que vous pourrez télécharger, donc vous avez toutes les mesures, les schémas, c'est une fiche qui est extrêmement complète et vous aurez également bien sûr le replay vidéo et également la liste des produits que j'ai utilisés pour les deux versions. D'ailleurs, en parlant de la deuxième version, voilà ce avec quoi je vais travailler aujourd'hui. Et justement, c'est une collection du catalogue annuel. Dommage pour le orange, Muriel. T'inquiète. Ceci étant dit, orange et vert, ça va bien ensemble, regarde. Ça ressort plutôt bien, je trouve. Donc, plantes épanouies, une collection du catalogue annuel. Cathy, non mais tu rigoles. Bonjour, Muriel, la troisième Muriel ou quatrième Muriel, je sais plus. Donc voilà ce avec quoi je vais travailler aujourd'hui. Hop, et bien sûr, c'est une collection complète, donc elle est assortie avec un set de tampons et des poinçons que vous voyez ici sur ma présentation. Voilà, quand c'est en double, ici c'est un tamponnage et ici c'est une découpe notamment. Ici également, on a les beaux supports cache-pot. Voilà, et des très très beaux sentiments en français, mesdames. Oui, gros bisous à notre crapouillot. C'est vrai qu'on ne le voit plus beaucoup en ce moment, mais je crois qu'il a beaucoup de travail. Alors, je vous propose que nous commencions cette fameuse Twist Pocket Card. Hop, je prends mon coupe-papier. On va y aller tranquillement, d'accord? La base de la carte, c'est la partie la plus technique, d'accord? Pourquoi, Muriel, tous ces smileys qui font la tête ou qui sont même en colère, Muriel? Voyons. Mais pourquoi? Mais depuis un an, j'hésite à me demander comment l'assembler. Tu te demandes comment l'assembler, Myriam? Bien sûr, il est
pas compliqué. Je vais te montrer des modèles et puis il faut que tu t'inspires aussi du papier. Voilà. Coucou Laurence, comment ça va? Alors, Isa, les sous-titres. Normalement, je les enclenche chaque semaine et je ne sais pas pourquoi ils n'apparaissent pas aujourd'hui. Je suis désolée, pourtant je les ai mis, hein, je les programme à chaque fois. D'accord, Myriam, merci pour l'info des smileys. Coucou Catherine, bonjour. Allez, on y va. Nous allons prendre dans un premier temps une base de cartes unie. Voilà, coucou Virginie, qui mesure 21 par 20,6. Ok? Coucou Christelle, comment ça va? Allez hop, on y va, c'est parti. Est-ce que je vais juste décaler ça pour avoir assez de place? Voilà. C'est bon? Tout le monde est prêt? Merci Fabienne d'avoir écrit à Isa parce que du coup. Oui, Laurence, les post-it, c'était ma routine qui me les avait offerts pour mon anniversaire. Je laisse le petit post-it ici. Alors, ça y est, tout le monde est prêt, on y va. Alors, attention à votre sens de papier, puisque du coup, il y a très peu d'écart. Hein. C'est presque un carré, mais pas tout à fait. Oui, Muriel, c'est ça, en effet, oui, je les ai vus. Il y en avait au moins 4 ou 5, du coup. Voilà, tout simplement, je m'interrogeais. Donc attention, prenez bien, donc assurez-vous bien que ce soit la bonne mesure, puisqu'il n'y a vraiment que 4 mm d'écart entre les différents côtés. Donc, pour commencer, nous allons faire un pli à la moitié du 21 cm, donc à 10 et demi. Donc je m'assure que là, voilà, je suis bien sur mon 21. Ok. Oui, je comprends pas pourquoi. Je les ai enclenchés, hein, les sous-titres, mais là, ils apparaissent pas. Et pourtant, je fais toujours dans ma configuration, je pense toujours à toi, Isa, et je comprends pas pourquoi ça marche pas. Alors, du coup, si tu veux, tu pourras voir en replay sur YouTube où là, tu pourras mettre les sous-titres. Je suis désolée. Là, pour le coup, j'ai pas de solution. Je peux pas modifier pendant que je suis en direct. J'ai pas la main, ça va tout couper si je modifie maintenant. Alors, donc je suis bien sur le 21 cm ici et je viens faire un pli à 10 et demi. Pas de souci, Muriel, t'en fais pas, j'ai eu peur que tu aies un problème, donc tout va bien. Sur 21 et pas sur ton 31. Mumu, je vois que tu es en forme encore. Ok, on a fait le pli à 10 et demi sur le côté 21 cm. Jusque-là, tout va bien. Je retourne mon papier, je bascule donc sur le côté à 20,6. D'accord? Et là, je vais encore une fois venir faire différents plis. Le premier est à 1,3. 1,3. Je vais essayer d'y aller tranquillement pour ne perdre personne. 1,3. Le second pli est à 7,3. 7,3. Coucou Claudine. Tu parles des sous-titres? Ensuite, à 13,4. 13,4 cm. On en est donc au troisième pli. Et il n'en reste qu'un à 19,4. 19,4. Ok? Alors,
Je répète, avant de continuer, j'ai encore deux plis à faire, vous allez voir. Je suis ici sur mon côté à 20,6, je fais 4 plis, 1,3, 7,3, 13,4 et 19,4. Ok? Jusque-là, ça va. Le reste aussi va aller très bien, vous allez voir. Alors. Hop, donc j'ai bien ma ligne horizontale centrale qui est ici et mes quatre plis verticaux ici. Alors les plis, vous les voyez peut-être pas forcément très bien à l'image, mais j'ai un gabarit que je vais vous montrer après. D'accord? Ces plis sont faits. Je vais retourner. Regardez bien. Hop, je retourne mon papier comme ceci. D'accord? Maintenant, nous allons tracer, non, plier, d'accord, des diagonales. Ok? Nous allons en tracer deux. Pour cela, regardez, peut-être que vous verrez mieux ici. Voilà, je vais mieux marquer ici pour que vous voyez mieux à l'image. Toc. Vous allez voir, c'est très simple. Ok. 1, 2, 3, 4 plis et le pli horizontal ici. Ok? Les diagonales que nous allons marquer vont se trouver. Hop, vous voyez la pointe là, donc j'ai mon petit pli ici. Le départ va être en haut du petit pli ici. D'accord? Et viendra se terminer, toc toc toc, au deuxième grand rectangle, celui du milieu. D'accord? Donc je réexplique. Nous allons partir, vous voyez à l'image, de ici, donc au petit pli. Voilà, j'ai mon premier pli ici, donc je ne pars pas de la pointe du papier, mais vraiment de la pointe du premier pli. Ok? Et je vais traverser le premier rectangle, le deuxième rectangle ici, celui qui est au centre. D'accord? J'espère que c'est clair pour vous. La deuxième diagonale, elle, commencera donc au rectangle central, le plus grand rectangle central, puisque vous voyez qu'on en a trois. D'accord? Donc celui du milieu, donc on va commencer à la pointe du deuxième pli. Ok, on va traverser et on va venir rejoindre la pointe en bas ici du dernier pli. D'accord? Alors je vous laisse ça comme ça. Est-ce que ça vous aide? Je vais essayer de caler tout à l'image. De voir pour que vous voyez à peu près tout. Ok? Et donc là, on l'a bien fait sur l'envers de notre papier. D'accord? C'est ok pour vous? Donc c'est parti. J'ai mon premier pli ici, je le positionne et je viens rejoindre donc hop, le rectangle du centre en bas. Hop. Et je trace mon pli. Voilà. Et donc, la deuxième diagonale, je pars du deuxième pli ici et je viens rejoindre, hop, en bas ici. Vous voyez peut-être pas forcément. Si je remonte plus, est-ce que vous allez voir plus? Hop, donc là et ici. Oui, Claudine, j'ai un chat dans la gorge. Juste avant de démarrer le live, j'étais en train de m'étouffer en fait. Voilà. Et du coup, ça reste un peu. Voilà pour mes diagonales. Donc, on a tous nos rectangles ici.
Au miracle, j'y suis arrivée du premier coup. Bravo, Matissia. Je suis fière de toi. Voilà, donc on est sur le verso du papier et nos diagonales donc se présentent comme ceci. Ok? C'est bon pour vous? Pas de panique si vous avez un moment de solitude, n'oubliez pas, vous pourrez voir la vidéo en replay et j'ai pas d'eau avec moi. Vous pourrez donc voir en replay et puis vous aurez aussi accès à la fiche technique. D'accord? Vous avez bien, vous aurez toutes les mesures, etc. Coucou Caroline, c'est sympa de faire un petit coucou, j'espère que tu vas bien. Coucou Béatrice, pas de soucis. Mais ta souris, tu le feras sortir. Alors, si je suis bien en haut, c'est 1,3 qui rejoint le bas à 13,4. Oui, c'est tout à fait ça. Bravo. Cathy, t'as réussi aussi, c'est parfait. Ouf, ça me fait tellement plaisir quand je vois que c'est OK. Ça veut dire que je suis à peu près claire. Donc, ça me soulage. Alors, on continue. Je retourne, toc toc, mon papier, comme ceci. Donc, vous voyez le gabarit. C'est mignon, Carole, merci beaucoup. Bah non, je ne vais pas vous lâcher comme ça pour aller chercher de l'eau. Bon après-midi, Marie-Claire. Merci beaucoup. Ok, je retourne mon papier. Et vous voyez, d'ailleurs, j'ai oublié de le hachurer ici. Alors, on va faire un truc qui est trop bien. Voilà. Hop. Toute cette partie ici. Et celle-ci, eh ben, vous avez l'habitude de mes schémas. Quand c'est en rouge, on coupe. Non, tu es pas à peu près, tu es clair. Oh, merci. T'es en train de finir ton panier de Pâques, Caroline. Super. Bon, ils sont prêts pour bientôt. Alors, je prends donc mes ciseaux et comme je viens de vous dire, nous nous séparons hop, donc de ce petit pli ici et de celui-ci en bas à droite. Donc quand votre papier est sur la face recto, faites attention, vos diagonales sont dans l'autre sens, hein, d'accord? Et donc je viens couper. Ça, on se sépare tout de suite de ce dont on n'en a pas besoin. Hop. Voilà, je vais couper un petit peu en biais sur la partie qui reste. Voilà, et je fais pareil. Oh, je viens d'avoir une frayeur en me disant zut, j'ai pas coupé le bon. Si, si, c'est bon. Tac. Louison, t'as compris aussi? Génial. Voilà. En fait, donc, on a tracé nos plis verticaux et horizontaux sur le recto du papier et nous avons tracé nos diagonales sur le verso du papier. D'accord? Ensuite, j'ai retourné à nouveau vers mon verso et nous avons coupé celui-ci et celui-ci. OK? Maintenant, il nous reste à marquer les plis dans le bon sens pour former en fait la partie twist de la carte. Pourquoi ne pas couper au massicot? Claudine, en fait, c'est chacun comme il veut. Vraiment, on fait comme on le sent. On utilise le matériel que l'on souhaite, celui avec lequel on est la plus à l'aise. Mais vous pouvez parfaitement, Claudine, découper avec votre massicot sans aucun souci. Personnellement, j'ai un petit peu de mal à découper en biais mes languettes avec le massicot, donc je prends tout simplement ma paire de ciseaux. Voilà. Donc je disais, nous allons marquer les plis pour former le twist de notre carte. Ok. Pour cela, hop, j'ai préparé un autre gabarit d'une autre couleur. Alors, première étape. Plier en deux sur notre ligne horizontale.
Jusque-là, rien de compliqué. D'accord? Donc, là, je suis avec le verso de mon papier. Voilà, tout simplement. Ok? Je répète, je suis sur mon verso. Je plie ici mes diagonales en vallée. En montagne. Pardon, 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 pardon. Super, Béatrice. Mes diagonales sont pliées en montagne au verso du papier. Ok? Donc, première étape, je plie mon papier en deux. Ok? Mon recto est là. Je replie mon verso comme ça. J'essaye de d'étaler au maximum pour ne perdre personne. Ok? Mes diagonales, donc, qui sont de gauche à droite, puisque je suis bien sur mon verso. Je les plie en montagne. Donc, montagne, pour les débutantes, c'est quand le pli tire vers le haut. Si je retourne, là, ça fait un creux, je suis en vallée. Donc, mes deux diagonales sont pliées en montagne. Ok? Et ensuite, il suffit simplement de marquer nos autres plis verticaux. Pareil, en montagne, mais dans l'autre sens. Alors, vous allez voir que en marquant le tout, ensuite, ça prend bien la forme de l'hexagone. Ok? Allez, je vais à mon tour marquer tout ceci. Donc j'ai mon verso, je plie ma carte en deux. Ça paraît surprenant comme ça, vous allez voir, mais en fait, une fois qu'on l'a en main, c'est évident. D'accord? Ok. Voilà. Donc, mes diagonales sont dans ce sens-là. Donc maintenant, je marque mes diagonales en montagne. Ici. Voilà. Ok. Et je marque la deuxième diagonale. Alors, je ne sais pas si je détaille trop ou pas assez. Waouh, miracle, j'y suis arrivée. Ça se plie tout seul. Ouf! Nickel. Ok. Voilà. Donc là, ça y est. Coucou Karine, comment ça va? Tac. Voilà ce que ça donne. J'espère que je suis suffisamment claire, que je ne vais pas trop vite, que j'essaye vraiment je cherche un mot hein, depuis 30 secondes, de décomposer au maximum pour être sûre que personne ne soit perdu. Marie, ça va? Ticia, ça va aussi? Bon, super. Et du coup, eh bien, voilà, je viens maintenant marquer les plis verticaux. Toc. Voilà, également mes petites languettes. Voilà. Ne change rien, c'est parfait. Ouf! Merci. J'adore ça. Ça me fait du bien, ça me rassure. Super. Bon. Alors, avant de coller tout ça, bien sûr, il va nous falloir mettre notre papier imprimé. Claudine, c'est transparent. Parfait. Pour le moment, zéro boulette. Trop fière, ma Cathy. Tac, tac. Et voilà. Ça va prendre cette forme-là. Oui, ça fait un peu bizarre parce que j'ai pas collé, mais ça va le faire. Étape par étape, c'est parfait. Bon, super. Ok.
Allez, maintenant on va prendre notre papier imprimé. Toc. Donc, je vais vous reprendre le petit gabarit. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien avec ma lumière, c'est un peu compliqué. On a nos diagonales qui sont ici. Toc. J'aurais dû les marquer aussi là. Voilà. Impec chez moi aussi. Toutes les. Voilà, super. Marie-France, ça va aussi. Super. Vous êtes génial. Ok. Donc, si je prends le papier dans le bon sens, ça sera mieux. Harmonie. Voilà. Alors. Oui, c'est comme ça que je vais le poser. Karine, tu es débutante et c'est très détaillé, ça te va? Bon, super, merci. C'est génial. Alors, donc, voilà notre base de cartes. Ok? Donc, elle est ici. Oui, Nathalie, il n'y a pas de souci. Bon replay, du coup. Ici. Nous allons avoir un morceau de papier imprimé que nous n'allons pas couper, mais il y a des morceaux que nous allons couper, vous vous en doutez, puisqu'effectivement nous avons les diagonales et qu'il y a tout le petit twist, les plis, etc. Donc forcément, à un moment donné, notre papier imprimé, nous allons le couper également en diagonale. Marie-Thérèse, tu partages la vidéo, je te remercie du fond du cœur, j'espère que tu es en pleine forme. Ici, nous allons coller un morceau de papier, ici également, ici et là. Mais vous voyez que j'ai écrit DSP, donc papier imprimé, motif à l'envers. C'est-à-dire qu'il faudra le mettre à l'envers simplement parce que, eh bien, comme vous le voyez là, hop, eh bien, selon le sens, ça va se tourner. Il y a l'avant et l'arrière. Ok? Donc je vous remonte la carte comme ça. Donc vous voyez. Le papier qui ne va pas être coupé, il va être sur l'avant de la carte, d'accord? Et les autres, eh bien, ce sera donc des triangles, ici et là. Quand on va bouger, on a des morceaux qui vont revenir, qui vont se tourner. Ok? Alors, hop, je vais prendre mon papier imprimé. Pour cela, vous avez besoin de trois morceaux de papier imprimé qui mesurent 10 par 5,5. Ok? Et il vous en faut 3. Donc je suis sur mon papier plantes épanouies, bien sûr, qui va super bien avec mon gris. Ok? Et nous allons donc les positionner. Je vais vous montrer dans un premier temps. Donc celui-là, on ne va pas y toucher, il va rester tel quel. Ok, les deux autres, nous allons évidemment les couper en diagonale. D'accord? Donc, il y en aura un ici, un ici, un ici et un ici. Je vais couper en diagonale ces papiers. Oui, ma Carelle, pas de problème. Bon replay à toi et bon après-midi, ma belle. Donc, j'ai mon 10 par 5. Et demi, d'accord, et je viens couper en diagonale, toc, depuis le haut gauche vers le bas à droite. Toc, toc, et là, Claudine, tu vois, je prends mon massicot. Petit rappel, lorsque vous avez des pointes à couper, posez votre lame sur le papier pour découpez vos pointes le plus proprement possible. Si vous démarrez votre lame ici, vous risquez de faire rentrer le papier à l'intérieur et du coup que votre pointe soit beaucoup moins esthétique. Toc. Et je fais pareil avec le deuxième. On les coupe dans le même sens, donc depuis la pointe gauche vers la pointe droite en bas. Ok. Hop. Et voilà. Donc là, ça y est,
je me retrouve avec quatre triangles que je vais pouvoir venir coller sur ma base de cartes. Toc, ça va toujours tout le monde, c'est bon? Donc ici, mon papier qui ne bouge pas, on va le coller tout de suite. Toc. Si votre papier a un sens, celui-là vient se positionner à l'endroit. Voilà. Ensuite, je vais mettre un ici. Un autre ici. Du coup, ça rebique un peu avec tous mes plis là. Voilà. Et les deux derniers vont se mettre ici et là. Voilà comment vous allez devoir coller vos papiers imprimés. C'est OK pour vous? J'ai vraiment l'impression que le rendu est tellement sombre. J'espère quand même que vous voyez bien. Bon, eh bien, je n'ai plus qu'à coller ces jolis triangles. Voilà. Toc. Voilà. C'est OK, ça vous plaît? Alors bien sûr, hein, les scrapeuses beaucoup plus aguerries verront ça, trouveront ça peut-être plus facile ou moins intéressant. Mais c'était important pour moi de vraiment détailler chacune des étapes pour que vous ne soyez pas perdus. Parce que du coup, c'est vrai que quand c'est une première fois, on peut vite se sentir débordé en disant « Oula, Marie-France, tu vois bien, bon ça va. » Ok, c'est peut-être mon rendu hein, sur mon téléphone qui fait que c'est très sombre, mais si c'est OK pour vous, moi c'est tout ce qui m'importe. Voilà. Je fais un puzzle, ouais, c'est ça. T'as raison, Muriel. C'est exactement ça. Toc. Voilà. OK. Bon, voilà, j'ai collé comme une cochonne. Voilà. Tout est intéressant dans le scrap. Oui, oui, je suis d'accord avec toi, Laurence. T'as raison, ma belle. Alors, maintenant, je vais attraper mon double face que je pensais avoir préparé. Ceux de gauche, Marie-France. Ces deux-là sont à l'envers. Je réalise que j'ai pas fermé mon rideau derrière moi. Du coup, vous voyez bien le bazar. C'est sympa. Je suis désolée. Ok. C'est très clair, juste que je vois moins clair et le papier est sombre. Oui, 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 Béatrice, je comprends. Mais du coup, si tu prends la fiche technique après sur mon blog, tu verras, ça sera peut-être plus simple. De rien, Marie-France. Je vais venir déposer mon double face. Donc, je laisse bien mon papier tel quel. Et c'est ici et là que je vais venir déposer, toc, mon double face pour pouvoir tout coller ensuite. Voilà. Merci Sandrine. Et voilà. Bien. Alors ça y est, il est temps maintenant de faire l'assemblage. Ok. Alors je vais recouper un petit peu en biais ici ma petite languette. J'aurais dû le faire avant. Ça sera plus joli. C'est une scrap room. Ouais, t'as raison Carole. T'as tout compris pour le bazar. C'est ça. C'est ça. Bon. Bon, ça va. Ça aurait pu être pire, mais bon. Ok. Donc, eh bien, tout simplement, je viens retirer pour coller. Toc. Toc. Voilà. J'insiste sur ce petit pli
Voilà, c'est jamais trop. D'ailleurs, ce n'est pas du bazar, c'est du matériel. Et autant que ça me fait envie. Ah oui, Francine, oui. Bon, après, c'est différent, hein. C'est aussi mon métier, donc c'est normal que j'ai beaucoup de matériel. Ok, ben, on rentre simplement nos languettes et on vient coller bord à bord le plus proprement possible. Voilà qui est bien dit et ça laisse rêveuse. Scrap room sans un minimum de bazar, c'est pas une scrap room. C'est pas faux! Bord à bord, voilà. Et du coup, j'ai un bug. Non. Voilà. Donc, évidemment, on a quand même pas mal de couches de papier qui sont reportées les unes sur les autres. C'est là que notre plioir nous sert grandement. On aide vraiment le papier à prendre la forme correcte. Hop. Donc on passe dans un sens, dans l'autre. On n'oublie pas de passer partout. Voilà. De toute façon, vous avez vu sur mon modèle, la carte est ensuite maintenue par un ruban. Mais là, on a quand même vraiment plusieurs couches hein, qui s'accumulent du coup une fois que c'est refermé. Donc voilà, on cède le plus possible du plioir dans un sens, dans l'autre. On passe en dessous. Voilà. Tac, tac, tac. On y va. Hop. Et encore une fois, l'avantage, c'est qu'elle n'a pas besoin de tenir toute seule. On va l'aider grâce au ruban. Il nous manque nos petites cartes à mettre à l'intérieur. Voilà. Hop. Notre Twist Pocket Card. Et là, on dit merci au plioir en os. Exactement. On aide bien le papier à prendre la forme. On twist, on twist et on twist pour aider le papier à prendre la bonne forme. En fait, tout simplement, hein, bête, c'est très bête, mais on casse tranquillement les fibres du papier, en fait, d'accord, pour hop, l'aider au maximum, voilà, ça commence à prendre forme. On a fait le plus laborieux, le plus compliqué, si tant est que ça le soit. D'accord? Tu ne voudrais pas m'aplatir avec ton plioir? Ça a l'air vraiment facile vu comme ça. Oui, je voudrais bien pouvoir y arriver déjà sur moi. Nos petites cartes. Alors, à l'intérieur va donc se glisser des petites cartes en message. Twist again. C'est de la maltraitance de papier, mais non, on l'aime le papier. C'est pour ça, je le travaille en douceur. Trois morceaux de papier uni qui mesurent 10,2 par 5,2. Il vous en faut 3. D'accord. Hop. Et les morceaux de papier blanc que je vais décorer. Il vous en faut 3 également. 9,7 par 4,7. Ok? Non, je suis trop nulle en anglais. À mon grand désespoir d'ailleurs. Ok? Donc, je vais venir m'amuser un petit peu quand même avec mes tamponnages. Pour cela, je vais prendre mon juste jade. Attention, il disparaît bientôt, le juste jade. C'est le Incolor, un des Incolor 2020-2022. Dans quelques semaines, ça sera terminé. Et également le cidre à la cannelle, même principe, même histoire, il disparaît très 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 bientôt. Alors, première étape, je vais prendre ce joli petit pot en terre que je vais tamponner ici sur le bas de la petite carte, juste pour le décorer. Voilà, vous pouvez aussi les laisser neutres hein, si vous préférez, il n'y a aucun souci. Et je vais prendre également. J'en ai oublié un que j'ai pas préparé. Il est où? Ah, il est là. Hop. Les petites feuilles vertes
que je vais mettre dessus. Voilà, bon, je vais carrément le tamponner, vous verrez plus clair, hein? Tu les aimes ces deux-là? Ouais, c'est vrai qu'elles sont super belles. Hop, je viens ici. Voilà, je vais mettre en haut un petit message. Alors, est-ce que vous voyez bien là? Je suis pas sûre. Regardez, je vais vous montrer. Ici, non, ça va pas non plus. Alors, on va faire comme ça. Je vais prendre une petite note avec un grand merci, mais je ne vais tamponner que une petite note. Je ne veux pas le reste. Et là, c'est assez facile puisqu'il y a un écart suffisamment important entre les différentes lignes. Donc là, je peux y aller avec mon pad d'encre. Sinon, j'aurais pris mes Stampin' Write, bien sûr. Mais là, du coup, ça suffit. Il y a vraiment un gros écart entre les lignes, donc pas de problème. Et je viens mettre une petite note juste ici. En plus, ça tient pile poil. Voilà, ça sera ma petite première petite cartounette qui va se mettre dedans. Pour la deuxième carte, je vais prendre la jolie couronne ici. Donc, du coup, j'ai décidé de le mettre à l'horizontale celui-ci. Hop, je reste dans les mêmes couleurs, hein. Voilà, on va centrer tout ça à peu près. Voilà. Toc. Et là, je vais mettre un autre message. Le tout petit, je vais mettre merci infiniment. Oui, les nouvelles Incolor 22-24. Nous, les démos, nous les avons. Alors, je sais que j'ai des collègues. Zut, je me suis trompée de couleur. J'ai des collègues qui les ont déjà partagées, les vilaines. Je voulais faire des surprises, moi, à mes VIP, leur faire faire un jeu et tout. Bon, c'est pas drôle, hein. Tant pis. Allez hop, merci infiniment. Voilà, ça sera ma deuxième. Et la petite dernière, je vais prendre encore une fois un joli pot. Voilà. Et je vais faire le même principe que sur la première. Je viens tamponner mon petit pot en cidre à la cannelle. Et là, je vais prendre toutes ces grandes fleurs magnifiques. Toc. Voilà. Et je viens ici. Le tamponner. Et voilà. Du coup, toutes mes petites cartes vont être joliment décorées. Maintenant, je n'ai plus qu'à les coller sur mon papier uni et ensuite à les insérer donc dans ma carte. Il vous faudra ensuite, bien sûr, le ruban qui va vous aider donc à maintenir la carte fermée, bien sûr. Voilà. Hop. Donc vous avez vu, hein, vous pouvez vous décider de mettre ces petites cartes-là à l'horizontale ou à la verticale. Et là, ça n'a absolument aucune importance. C'est vraiment ce que vous voulez y mettre. Et vous n'êtes pas obligé non plus de mettre un tamponnage, hein. Vous pouvez tout à fait choisir, par exemple, de remplacer par une carte cadeau ou tout simplement de laisser les parties blanches pour pouvoir écrire aussi. Même à plusieurs, hein, pourquoi pas. T'inquiète pas, même sous la terture, je ne lâcherai rien. Tu me fais trop rire, Carole. J'adore. Ok, donc mes petites cartounettes, hop, ça y est, elles sont faites. Donc je vais venir maintenant les insérer. Alors, ici, j'ai un premier emplacement. Vous voyez, là où j'ai mon pli de raccord. Ok, donc la première vient ici. La deuxième, alors vous voyez, il faut que ça rentre. Hein. Donc là. Ok, ça va tout le monde? Et la dernière, même principe que là, au niveau du petit pli, du raccord. Hop, elle rentre ici. Et voilà,
Ça y est, on a nos trois petites cartounettes qui sont rentrées dans notre Twist Pocket Card. L'étiquette, tu veux dire, du set fan de sport? Parce que l'éthique, ça va être compliqué, Voilà, et du coup, on a nos trois petites cartounettes qui sont à l'intérieur. Il nous reste simplement, alors, à mettre notre ruban, voilà, qui va vraiment maintenir tout ceci fermé. Je reste dans les mêmes tons avec ce superbe ruban juste jadé or. Vous avez vu comme il est beau? Il est trop mignon. Alors, hop, je vais faire mon petit nœud. Et du coup, je mettrai également une étiquette, mais je vais d'abord faire mon nœud. Voilà. Alors, il faut que ce soit suffisamment serré pour que la carte tienne, mais pas trop quand même pour que vous puissiez retirer le ruban plus facilement. D'accord? Donc là, c'est vraiment un jeu de dextérité. Allez, sois mignon. Bon, vous savez que j'aime toujours pas faire les nœuds, bien que je m'améliore avec le temps. Ceci dit, j'arrive de loin. Donc voilà. Bon, ça va, c'est pas trop mal ce coup-ci. Hop. Ouais, ça va le faire. Et du coup, j'ai déjà quand même préparé ma petite étiquette à l'avance. Non, je suis pas moqueuse. Coucou Sylvie. Attends, je mets mon doigt, dit Francine. Ça m'aiderait bien, tu m'étonnes. Donc, la petite étiquette, vous reconnaîtrez bien sûr la découpe à la perforatrice ovale. Voilà, j'ai tamponné le petit merci toujours dans Juste Jeanne. Et je vais venir mettre ça directement sur mon ruban. Et pour ça, je vais juste déposer un petit bout de double face. Là, je peux me le permettre puisque ce n'est pas un ruban qui est très très fin. Contrairement à celui-ci qui est transparent, du coup j'avais mis des dimensionnels et là non plus c'était pas une super méga idée. D'accord? Là je sais que je peux me le permettre. Hop, un petit bout de double face, comme ça va me permettre de tenir mon étiquette et ça ne déborde pas au travers de mon ruban. Alors. Mes filles ont oublié que j'étais avec vous. Il a décidé de m'agacer. Dire que c'est avec le double face que je vais me battre, vous le croyez-vous? Ça y est, je l'ai. Voilà, tout va bien. Et un glue dots, oui, le glue dots, oui, c'est possible aussi, mais vraiment, il ne faut pas que le ruban soit aussi fin que les papayes pâles, par exemple, parce que ça va passer au travers. Et du coup, je peux venir coller comme ça mon étiquette. C'est super. Hop, et voilà, je coupe le ruban. Bon, j'avais pris un peu gros, hein. Et voilà. Et la petite touche finale. Alors, ils sont là. Les incolores comme ça, les ronds n'existent plus. Par contre, il y a toujours les gemmes carrées incolores. Donc. Ma coordination de couleurs, elle peut quand même se faire. Voilà, le cidre à la cannelle. Je reste toujours dans les mêmes couleurs, c'est nickel. Et voilà. Coucou Annelise, comment ça va? Là pour faire de jolis nœuds. Alors là, pour le coup, je ne suis pas la meilleure Marie pour faire les nœuds. Ceci étant dit, là, pour que mes boucles soient bien en haut et ça en bas, en fait, systématiquement, je fais mes nœuds et tout ça à l'envers, en retournant ma carte. Je retourne ma carte et ensuite je le fais. Et sinon, effectivement, il y a la technique de la fourchette qui marche aussi très très bien. Je peux pas te la montrer maintenant, mais à l'occasion, pas de problème. Mais voilà, combien. Oui, Nadine, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Qui est-ce que j'ai raté là? Non, c'est bon. Merci Marie-France. Et eh bien voilà, ça y est, nous avons
notre fameuse Twist Pocket Card, là ici avec plantes épanouies. Donc ça change hein, vraiment de la première. Du coup, j'ai pas tout remballé, hein, mais voilà, en gros, elle est comme ceci. Voilà, donc on a vraiment deux styles assez différents, mais qui sont très sympas l'un comme l'autre. Je sais pas laquelle vous préférez. Voilà pour cette petite carte. J'espère que ce projet vous a plu, que vous avez réussi à suivre, que j'ai été donc suffisamment claire, mais en tout cas celles qui l'ont faite ont eu l'air de dire oui, donc c'est génial. Si vous avez des questions lorsque vous allez faire le replay, voilà, besoin de conseils, d'une astuce, peu importe, n'hésitez pas à me contacter, bien sûr. Merci Isa, je suis désolée hein, pour les sous-titres, ma belle. Voilà, n'hésitez pas, je suis à votre disposition, bien sûr. Dans quelques minutes, vous aurez accès au replay sur mon blog, mais également sur la page Facebook, etc. D'accord? Avec la fiche technique, la vidéo, tout ce qu'il vous faut, tout ce qu'il vous faut. Ça a l'air de vous plaire. Coucou Isabelle, je t'avais pas vue. Super, elle est encore plus belle que l'autre. Tu préfères donc Carole la verte. Super. Voilà, je suis très contente d'avoir partagé ce moment avec vous. N'oubliez pas hein, ce que je vous ai dit, donc les liquidations dès ce soir, 20h sur ma boutique en ligne. Si vous voulez, je vous remets hop, le petit visuel. Donc dès 20h, ça durera jusqu'au 2 mai, ça commence ce soir. Pour les VIP, vous aurez une liste mise à jour dès que je l'aurai et que j'aurai eu le temps de la faire dans la foulée. Voilà, tout simplement. Et puis, oui, je mettrai sur ma page aussi, bien sûr, mais connectez-vous sur la boutique en ligne dès 20h, n'hésitez pas. Voilà, merci beaucoup, beaucoup d'avoir été présente cet après-midi. Si vous regardez la vidéo en replay, n'hésitez pas à liker, à partager aussi. Vous aurez aussi accès au live sur ma chaîne YouTube, bien sûr. Vous avez accès au lien en haut sur Facebook et dans la barre d'infos sur YouTube. Et puis voilà, n'hésitez pas, prenez soin de vous, surtout prenez soin de vous, c'est le plus important. Et je vous donne rendez-vous donc vendredi pour l'inspiration du week-end. C'est une nouvelle chose que je vous propose le vendredi, un tuto rapide. Oui, super, super Isa. Donc un tuto rapide chaque vendredi que vous trouvez un petit peu partout sur mes réseaux. Et puis le samedi, eh bien, je vous dévoile le projet du mercredi suivant. Donc j'espère vous retrouver nombreux et nombreuses. Merci beaucoup à tous et à toutes. Passez une belle après-midi et à très bientôt. Ciao, ciao!